Cyril Hanouna, l'animateur, se lance dans le football en investissant dans un club de National 2 à Marseille. Pas de vacances pour Cyril Hanouna. Ou peut-être que, vu comment se sont passées ses vacances, il a préféré se jeter à corps perdu dans le travail. L'animateur est tombé en panne au bord d'une route de Cannes au mois de juillet, accompagné de ses amis Ramzi Bedia et Jean-Raïd Kallouche. Les trois hommes se sont donc mis au défi de faire de l'auto-stop pour se sortir de ce mauvais pas, mais personne n'a daigné s'arrêter. La racera, pourrait-on dire. Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Cyril Hanouna a dû revoir sa copie en ce qui concerne les recrutements des nouveaux chroniqueurs de TPMP. En effet, il comptait intégrer à sa bande un jeune homme dont le nom a été cité à plusieurs reprises cet été dans l'affaire Dièse Balance Ton YouTubeur. Encore loupé. Heureusement pour ce qui est de la nouvelle émission d'actu qu'il animera en soirée sur C8, Baba a décidé de faire confiance à Eric Nolo et cette fois pas de surprise. Ce samedi 18 août, le journal La Provence annonçait une nouvelle surprenante. Cyril Hanouna va investir dans un club de foot de National 2, l'Atlético Marseille. Il est même allé voir le match lors du derby du club face à Andoum. Le président du club, Raïd Yaïaoui, est ravi. Nous sommes en train de nous projeter pour déterminer réellement les manières dont nous allons fonctionner ensemble, explique-t-il au quotidien. Cyril Hanouna s'explique à son tour : je suis un amoureux du foot et c'est un club de quartier. Je voulais aider un petit club que les jeunes qui sont dedans puissent se dire : on va jouer dans la Darkette la victoire. Est-il et pas impossible que j'aide des petits clubs ailleurs ? C'est la première fois et pas la dernière. L'animateur de C8 qui n'a de cesse de dire qu'il va arrêter de présenter TPMP serait-il en train de changer de plan de carrière /